bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo découverte de Cookie Road. En ce moment, vous l'avez peut-être remarqué, je suis dans l'optique de vous présenter des jeux qui sont pas forcément ultra connus. Voilà, c'est des petits éditeurs, des petits développeurs qui font ça. C'est sorti le 16 mai 2018 en version bêta. C'est une sorte de Gunscore et Cannoli. Vous allez voir dans le style, c'est, on va dire, on avance, on bute des personnes. Et c'est bien dans le sens où la patte graphique, le level design est vraiment super intéressant. Il est tout choupi. C'est en mode dessin animé, mais assez violent. Donc je pense pour le PEGI, ça doit être au moins déconseillé, au moins de 12 ans, voire au moins de 16. Ce sera à vous de me dire ça en commentaire. Si vous aimez les vidéos découvertes de ce type, voilà, de vous présenter des jeux que peu de personnes font, voilà, c'est pas un triple A, c'est pas un jeu qui va se vendre des millions. Mais moi j'aime bien, je trouvais le jeu plutôt sympa. Donc si vous aimez ça, le petit like. Et de me dire ce que vous avez pensé tout simplement. Et si vous connaissez des jeux qui méritent le coup d'œil d'être présentés en vidéo et que je ne connais pas forcément, vous tout le monde dites en commentaire, vous dites tiens Coty, il y a tel jeu qu'on aimerait bien que tu présentes, et puis c'est parti. Voilà, allez, let's go! I'm Flynn Trucker, and I'm a long-haul driver. It's a pretty ordinary job to be honest. Not much happens. Well, that was until one day, when my whole world got turned upside down. It was a usual September evening, just the same as any other. I just delivered the pickled sardines to his destination. I was on my way back to my hometown of Dustburg, where I could take a well-needed breather after a long trip and see the love of my life, my Angelina. Oh, my darling. Angelina was a panda trainer in the circus. That evening, the circus was completing its tour with a grandiose performance in our own little town. I was only an hour's drive from my hometown, and almost felt the warmth of my sweetheart's embrace, when suddenly... Gobert jumps out of nowhere and throws itself on my holster. As a result of a near heart attack, I lost consciousness for a while. My holler pulled off the road and crashed straight into a billboard. When I came to my senses, I realized I'd have to get to town on foot. Ok, donc, si on doit se baser sur ce qui s'est passé, excusez-moi, par contre, le son, il doit être un petit peu trop fort, mais ça, c'est pas grave, je le réglerai pour vous au niveau du montage. On est amoureux de quelqu'un, on est en couple avec Angelina. On devait aller la voir pour sa dernière au niveau du cirque. Sauf que ça s'est pas passé comme il fallait. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Et on doit faire tout le chemin à pied. Vous voyez, c'est un peu un... En fait, on avance, on... Qu'est-ce qu'il fait là, lui? D'accord. C'est un ours de cirque. Je sais que c'est pas forcément bien de leur tirer dessus, mais... c'est eux ou moi. Et vous voyez, c'est des sangliers, on dirait un peu le... Le sanglier dans Tortue Ninja. Bon, ça, je pense qu'il faut sauter, voilà. C'est un danger. Or non, je sais pas ce que vous en pensez. Mais j'avais vu des screens du jeu. Et je suis... vraiment pas déçu. Voilà, c'est le type de jeu que je sais pas combien, par contre, je me suis pas renseigné par rapport à ça parce que ils m'ont gentiment offert une clé, ils m'ont dit si tu veux faire le jeu, tu le fais, c'est à toi de voir. Du coup, je sais pas, mais si ça vous plaît, ce type de gameplay, etc., vous me le dites. Et moi, je demande des clés après pour faire gagner ça en concours. Vu que vous êtes très peu à regarder ce type de vidéo, vous avez beaucoup de chances de les gagner. Donc voilà, vous me dites ça en commentaire. Ok, checkpoint. C'est bizarre le bruit. Enfin, le bruit qu'on tire sur quelqu'un, ça fait quink. Mais chaque animal a un bruit différent quand tu le tires dessus. Ça, c'est une bonne chose. Après, je trouve, au moins, le défaut, là, pour l'instant, au niveau haut du jeu, c'est qu'on est un petit peu trop à droite de l'écran. Vous voyez, prompt. Moi, j'aurais préféré être un tout petit peu plus à gauche, que j'ai l'impression de ne pas voir ce qui peut arriver vers moi. Je sais pas si j'ai l'impression que ça me fait. Bonne petite musique aussi, elle est assez entraînante. Ok. Bon, c'est... Ok, je zappe beaucoup de burgers, mais en fait, c'est vu que je suis déjà full life. Ça me sert pas à grand chose. Après, il y a aussi une touche, d'après ce que je viens de comprendre, pour changer d'arme. Voilà. Ça, ce qui est bien, c'est qu'on a des munitions à l'infini. Ah, mais l'ours, là... Tu arrêtes. Je sais que tu as faim. Mais il faut se calmer. Les lapins. On se calme. Voilà. Mais il arrête pas. Hein. Ce spawn de l'enfer. Voilà. Vas-y, mais restait plus qu'une balle. Ah bah tu vois. Alors on peut se baisser, on peut pas tirer en.
ambiant, on va dire. Enfin, entre ça et ça, il n'y a pas de visée. C'est pas grave. Ouh, attention! De l'acide, enfin du poison, ce que tu veux. Lui, par contre, j'ai pas encore compris. Il est passé où? Il a fait un salto, le lapin. J'ai pas compris encore comment on... Comment dire ça? Comment on pouvait esquiver l'ours? Ok, on est dans... Enfin, non... Pour avancer. Ok. Ennemi tué, 130. Le temps qu'on a mis... On a mis... Attention, 3 minutes pile, et le rang, c'est S. Voilà. Ça, c'est bien. Elle est géniale, la musique, là. Je vais vous laisser l'écouter un petit peu. Franchement, la musique, elle est excellente. Je sais pas ce que vous en pensez. Je préfère largement celle-ci par rapport à la première. Qu'est-ce que... C'est une vache. Allez, c'est une fatueuse. Vite. Ça va. Je crois qu'il faut la spammer. En le tirant dessus. Parce que... une fois qu'elle charge son coup... Calmez-vous. Qu'est-ce que c'est que le piaf là ou là? D'accord. Très bien. C'est un piaf qui nous lance du poisson pourri. Ça me dérange pas, personnellement. RT pour les cocktails moto. Ok. Attendez, on va tester. Ah ouais. si je lance pas dans le bon sens, ça brûle. Ah, c'est sous, ça brûle. Ah, ça, attendez. Je prends mon burger. Ok, bon, on va éviter d'utiliser le cocktail moto. Hein. Voilà, je vous brûle. Ah, bah non, attendez. Je vais reprendre. Ouais, toi. La vache super pâteuse, elle est excellente. Franchement, le level design, je sais pas ce que vous en pensez, mais je kiffe. Je kiffe, voilà. C'est le type de jeu que j'adore faire. Ça, je le ferai assurément en live. Tu vas vite te calmer, voilà. Le point de Pégase. Ah ouais, on l'a vu. Ah, je préférais lancer un coup de roquette. Ah, je... D'accord. D'accord, je meurs. Je meurs pas qu'une fois. En fait, si vous prenez le cocktail Molotov, en plus, j'ai même pas eu de checkpoint, vous recommencez depuis le début. Ah ouais. C'est assez punitif, hein. Mais c'est bien. Tiens. Non mais oh... Donc il faut que je fasse gaffe que les... Eux là, ceux qui ont la torche, faut éviter qu'ils nous tirent... Voilà, ça c'est bon. Ah, bien joué. Faut éviter qu'ils nous tirent dessus. Désolé si parfois je me coupe hein, quand je parle. Je pense que vous comprenez, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident de... Bah, de parler, de jouer. Hein. Souvent on se dit que c'est simple. Mais c'est pas aussi simple. Tiens. Et aussi les poissons là. C'est pas bien de faire ça. Hein. Voilà. Une fois que je m'occupe d'eux, on fait un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Voilà. Les vachounettes. Non, vite, je m'occupe d'elles. Check la torche aussi. Parce que le feu, ça brûle. Et l'eau, ça mouille. Tous les oiseaux volent dans le ciel, bien entendu. Vous connaissez cette chanson. Charlie, Lulu. Est-ce que je peux les avoir? Ça m'a. Non, ça m'a pas l'air. Enfin. J'ai l'impression que je vais pas les avoir. Bon, on a 55 de munitions. Normalement, il n'y a pas ni problème. On va se calmer. Voilà, merci. Ah, checkpoint. Bon, je vais prendre plutôt... Bon, oh non, on va garder ça. Bah non. Ils veulent que je prenne le pont. Tiens, on est haut. Là, ça... Là c'est pas évident parce que... Bah, faut jouer. Et faut penser... aux poissons qui balancent, qu'en fait, vous l'avez peut-être pas remarqué, mais les ballons... Les ballons... Les poissons qui tombent là, les poissons pourris, bah c'est considéré comme du poison. Aïe. C'est considéré comme du poison, du coup, bah, dès que je me prends un petit peu de poison, bah je perds de l'énergie, forcément. Bah vous, là, voilà. Hop. Ça c'est fait. Les lapins. Les fameux lapins et les ours, hein, que je me prends chaque fois. Voilà. On est où? Vous pensiez m'avoir, moi? Je sais même comment il s'appelle notre héros. Ah non, il y en avait qui étaient ici, là. Bah ouais. On laisse personne en vie. Là, il y avait un petit burger qui m'attend. Oh yeah. Oh bah tiens. Une montgolfière. Ouh. Oh, elle m'a bien eu, hein. Je m'y attendais pas. Vous voyez, la vache, elle peut vraiment tirer. Hein. Au début, on peut dire que c'est un accessoire de mode. Par contre, j'ai plus mon lance... Enfin, mon lance-roquette. Voilà. Parce que... En fait, j'ai su que ça prenait du dégât vu que ça s'était mis en rouge. Et quand ça se met en rouge, c'est que un personnage prend du dégât. Mécanique de couleur à chaque fois. Voilà. On utilise un petit peu toutes les armes. Et maintenant, c'est le tour des cramés. Voilà. Vous avez voulu me cramer.
Vous pensez que c'était drôle? Maintenant, ça, je pense pas qu'on saute dessus. Hein. Quand on voit une mine, on évite de sauter dessus. Ah, fin du niveau. Parfait. Le rang A, c'est pas trop mal. On est au cirque, les amis. Oh, d'accord. J'ai compris. Eh, mais toi, le petit lapin, là. Le petit lapin qui meurt pas. 25 cents, c'est pas cher. Ça, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, j'adorais jouer à la fête foraine. Et maintenant, voilà, c'est vrai que j'y vais plus depuis quelques temps. Et pourtant, j'aime toujours autant ce qui est proposé. Même si, bon, voilà. Qu'est-ce qui... Attends, alors, on peut les avoir, eux. des pandas kamikazes. Très bien. Ok, je viens de tirer sur ça. En fait, dans ce jeu, dès que t'as une idée... Ils m'ont écrasé. Attendez, s'il vous plaît. Le bruit qu'ils font, les pandas. Ah, vite. Voilà. Mais toi, arrête. Arrêtez, les pandas, arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai fait pour que vous me fassiez ça? On peut avancer, c'est bon? Merci. Par contre, j'ai plus de munitions. C'est là où je vois que je suis vraiment full canon, toi. Attends. Alors, c'est un danger. J'aurais peut-être pas dû prendre tout de suite. Non, mais là. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. C'est les ramener quelque part, leur donner envie de sauter. Par contre, quoi, le lapin? Voilà, ça c'est bon. Et pour l'instant, on a pas perdu de vie. J'ai envie de vous dire que c'est pas trop mal comme on joue là. De toute façon, forcément, il faut que je parle. Mais non, même pas, on a pas. Jute! Oh là là, et franchement, cette phase-là, on a perdu 0 point de vie. Même moi, j'y crois pas. D'accord, c'est cracheur de feu. J'ai toujours respecté, mais j'ai toujours dit comment ils faisaient, c'est là. Ça doit être hyper dangereux. Toi, tu prends ça. Pour l'instant, on va laisser le burger. Il y a du monde au balcon là-bas. Bah, ce qu'on va essayer de faire, c'est de les avoir au loin. Ça touche? Je pense que ça touche. Hein. De toute façon, on va essayer de monter ici. Pour l'instant, ça va. Tant que je les affronte pas... Voilà. Oh bah, ok, c'était à la frame. Mais vraiment à la frame. Hein. Alors, je sais pas ce que vous en pensez du jeu, franchement, mais moi, pour l'instant... c'est devenu une crotte. Je me régale. Vraiment. Ah bah tiens, on va prendre le feu plutôt, on va garder l'autre pour... J'ai glissé. J'ai glissé, chef. Enfin, voilà. En fait, j'ai pas glissé. Je vous dis la vérité, j'ai fait exprès de tomber. Uniquement pour pouvoir tuer ce qu'il y avait en bas. Voilà. Vous me connaissez, hein. J'aime. Attends, par contre, en fait, des fois, il tombe. Il tombe alors que je fais rien. Ah, d'accord, j'ai une AK. Avec une AK, ça va aller vite. Fait. Voilà. On se calme, on se calme. D'accord, j'ai pris full dégâts. Je pense qu'il est mieux pour moi de revenir sur mes pas et de récupérer l'hamburger. Qui était, ma foi, ici. C'est, voilà, une stratégie, on va dire, plutôt safe. De toute façon, on n'est pas là 30 secondes perdues, c'est pas grand-chose. Mieux vaut perdre 30 secondes que... Mieux vaut perdre une minute, d'accord? C'est pas très grave. Plutôt que perdre tout court. Attendez. Je pense que c'est par là, hein. C'est là que depuis tout à l'heure, je... Voilà. C'est là que depuis tout à l'heure, j'essaie de passer par là, alors qu'on peut pas. Ça serait drôle que je me trompe. Non, c'est pas grave. Voilà, par contre celui-là... J'ai glissé. Ok. En fait, je pense qu'on est dans un niveau secret là-haut. Qu'est-ce qu'elle voulait faire, la vache? Oh, mais les lapins... Ne venez pas, s'il vous plaît. Donc, ok. Avec cette arme-là, on peut pas courir, donc je vais basculer avec celle-ci. Parfait. Après, c'est vrai que depuis le début, j'ai des grenades que j'ai pas utilisées. Donc, j'essaie d'en utiliser un petit peu. Ok, vous... Hop là, la petite greu. C'est sympa, mais... C'est pas évident. C'est vraiment pas évident, les greux. Ni les cocktails aussi. Bah, je pense qu'on est bon, là. On va essayer de pas perdre. Les lapins. Les villas lapins. Oh, donc on a fini le niveau, je pense. Yeah. Alors. Ah, oh, bah, le rang S. Il y a qu'un niveau qu'on a pas eu rang S, c'est dommage. Ok, c'est un boss. Ouh là là. Nom d'un petit bonhomme. Qui est cette... Non, je pense que c'est... Qui est ce gorille balèze avec les beaux rouflaquettes et le menton qui éveille en moi l'imagination ambiguë?
tout petit misérable. Je vais te ficher une raclée et ferai danser la lambada à la fête d'anniversaire de ma grand-mère. Oh amigo, tes mots et rouflaquettes ont touché mon âme. Et maintenant, je ne peux pas passer sans t'enseigner une leçon de bonne manière. Eh bien, c'est parti. Ok, un combat de boss. C'est bien comme ça, on fit. Ouh, d'accord. Comment... Ok, compris. Tiens, vilain. Ok, j'ai compris. J'ai compris le pattern pour l'instant. Il tape, il y a des projecteurs qui tombent. Il me saute dessus, je saute. Il se gratte les fesses et je lui tire dessus. Pour l'instant, rien de bien compliqué. Il m'a eu au début parce que je m'y attendais pas. Oh, qu'est-ce que tu... Wow, qu'est-ce que tu as voulu faire là? Bien joué, je m'attendais pas. Tiens, Insane Strongman, l'homme le plus fort au monde. C'est pas toi, c'est Mark Henry ou Braun Strowman. Hop là. Alors, on a mal? On souffre? Bon, pour l'instant, c'est pas évident. Enfin, c'est pas compliqué. Ah bah voilà, on l'a eu. En fait, faut juste faire attention, faire les bons mouvements, etc. Et on l'a eu quoi là? Oh bah voilà un petit rang S. Et vous savez quoi? Vu que ça fait à peu près 15 minutes que je rec, on va s'arrêter là pour la vidéo découverte. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like. Si vous voulez en voir plus, eh bien je ferai pourquoi pas un let's play sur la chaîne Twitch et rediffusons sur Let's Go ma chaîne secondaire. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Et puis c'est tout, allez, salut!